Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec ces individus. Vous avez été grave nombreux à me demander une vidéo avec mon frère et ma soeur. Du coup, on s'est dit qu'on allait vous faire ça aujourd'hui. En plus, c'est la dernière semaine de confinement, donc voilà. Encore une petite vidéo chill. Du coup, sur Insta, je vous ai demandé de me poser, en gros, on va faire un qui de nous trois, comme vous l'avez dans le titre. Et en fait, je vous ai demandé de me poser vos dilemmes. Donc c'est parti, on va y répondre. En gros, on a iPad et téléphone et on va à chaque fois mettre la photo de la personne qu'on pense être ce que vous m'avez demandé, quoi, bref. Donc on va commencer, vous m'avez posé plein de trucs, donc je pense qu'on va devoir faire une sélection. Ça va être très drôle. Alors, on commence direct. Non mais regarde pas, c'est mort. Qui est le plus studieux? Sarkozy. Oh putain, rien comprendre à tous les mots. Studieux, genre ça veut dire celui qui travaille le mieux à l'école. Ah, je sais pas moi. Allez, 1, 2, 3. T'as mis qui? J'ai mis Léa, mais Sacha t'as fait un gros zoom. Voilà, vraiment on est d'accord. Qui est le plus gourmand? On s'est mis tous. Vraiment on est des gros porcs tous les trois en fait. C'est voilà. Moi. Qui est le plus susceptible? Sarkozy susceptible. Ça veut dire genre celui quand tu lui dis un truc, il le prend mal, genre il se vexe. On a plus la réponse. C'est Emma. Ouais, voilà. Alors, d'accord. Hier soir en plus, elle s'est encore passée. Elle est partie pleurer dans sa chambre. Pleurer pas. Avec non, je pleurais pas. T'es partie te coucher comme une victime. Mais parce que ça me saoulait. Voilà, voilà, vraiment, c'est grave. Bon, du coup, ça va pour l'instant, on est d'accord. Qui est le plus maniaque? Genre celui, pas maniaque. Celui qui veut tout le temps nettoyer. Ah, je sais pas, moi. Ok, je me suis mis. Mais pourquoi? Il n'y a aucune cohérence. Pourquoi? Et j'espère que vous voyez bien quand on monte les photos. Mais en gros, là c'est Sacha, là c'est moi, et là c'est Emma. Et là c'est Emma. C'est pas moi. C'est quoi ça? Alors, du coup, pour le plus maniaque, t'as mis moi? Ouais. Je nettoie tout le temps? Non, ouais. Non, moi je dirais Sacha. Sacha, c'est une horreur, vraiment. Déjà, faut savoir que mon père il est méga maniaque. Et Sacha, en fait, genre, c'est sa relève, c'est horrible. Genre, par exemple, pour vous donner un exemple, il sait pas, genre, marcher sur le sol sans chaussettes ou chaussons. Parce que pour lui, c'est trop sale. Vraiment, c'est grave. Il a aussi un aspirateur à Noël. Ouais, c'est vrai, t'es vraiment trop bien. Qui est le plus attentionné? Sur quoi? Putain, il connaît aucun mot. Attentionné, ça veut dire, genre, celui qui va aller faire des câlins, qui va être gentil, qui va être mignon. Allez. 3, 2, 1. Je sais pas moi. On n'est pas du tout attentionnés dans notre famille. Mais pour ça, mais moi je suis la plus attentionnée. Bah oui, elle arrête pas de faire des câlins à moi et je chante. Ouais, je fais des câlins à Sacha et quoi. C'est quoi ce pied? Arrête, c'est mes photos. Et moi, bon, c'est tes pieds. Mais non, c'est pas mes pieds, c'est une photo sur Pinterest. Bon, bref, alors, qui est le plus drôle? Je sais pas moi. 3, 2, 1. C'est sûr, vraiment. Putain, puis c'est parce que vous le connaissez pas, mais c'est un sketch. Vraiment, tous les soirs, on en apprend. Faudrait. Est-ce que j'ai le droit de mettre la vidéo, genre où tu fais le TikTok? Ouais. Vas-y, bah, je vous mettrai l'extrait juste là. Genre, on retrouve des pépites à chaque fois dans le téléphone de mes parents quand ils prennent le téléphone. C'est vraiment. Mais là, il fait le petit timide et tout. Regardez comment il bouge ses jambes. Mais en vrai. C'est un très gros joueur, très très gros. Alors, qui est le plus relou? 3, 2, 1. Emma. Sacha. Ah, tu vois. J'adore relou. Relou, bah, ça veut dire genre un peu. Il est chiant quoi des fois. Je te déteste. Mais non, mais genre, je veux dire, par exemple, tu vois, le soir, tous les soirs, en fait, genre, Sacha, faut savoir, il joue à la PS4 la prep. Et à chaque 3h et 4h. Non, non, et à chaque fois, ma mère, elle le stoppe, genre vers 16h, 17h. Et donc, lui, à chaque fois, quand il a fini la PS4, faut être disponible pour lui. Donc, il finit la PS4, faut jouer au Uno, faut jouer au Monopoly, faut faire des puzzles, faut faire ce que vous voulez. Donc, c'est lui le plus relou, voilà. Arrête. Bref, qui est le plus. Qui cuisine le mieux? T'es la seule à cuisiner. Bah c'est Léa. Moi, je dirais maman. Oui oui, non mais entre nous trois là. Ok, on est d'accord. C'est elle. On arrive pas à le mettre. Qui est le plus bordélique? C'est quoi? Genre qui fout le plus de bordel. Ouais, ouais. C'est Emma. Ah ouais, d'accord. Quoi? C'est Emma. Non mais
Mais arrête. Mais Emma, regarde ma chambre là. Bah ouais, parce que là tu l'as rangée. N'importe quoi, mais regarde ta chambre tout le temps. Vas-y, attends, on va appeler ma belle-mère pour savoir. Non. Qui est le plus bordélique entre moi et Emma? Non, mais ils vont dire moi, je les connais. Allô? Allô? Ouais, tu vois, enfin, qui de nous trois là, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Genre, c'est qui le plus bordélique entre moi et Emma pour toi? Emma. Voilà. Ah ok. Mais en quel merci, honneur. Merci. Voilà, on a la réponse. Alors, qui fait le plus de bêtises? Oh, c'est moi. Ouais, j'avoue, c'est pas compliqué. Vraiment. Oh putain. Bah, c'est l'heure que je raconte la bêtise que t'as fait hier. Hein. Quoi? Les chewing-gums. Mais papa et maman font ça. Mais non, ils vont pas voir, ils regardent jamais les vidéos. Je pense. Oh, ouais, bien. En gros, hier, on cherchait des peluches dans la chambre de Sacha. Parce qu'on était persuadés d'avoir une peluche de Stitch. Bref. Au final, on le cherchait dans ses peluches. En gros, il y a une grosse malle à peluche. Elle cherche les peluches et tout. Et là, je tombe sur des emballages de Malabar. Et il me fait, mais attends, pourquoi tu regardes là et tout? Et je fais, bah quoi, il a fait mêler à ma cachette et tout. Donc le mec en fait, volait des Malabar en bas, il les bouffait dans sa chambre le soir, genre au calme. Il chillait comme ça dans son lit, chez ses chewing-gums, genre. Quel est l'intérêt, vraiment? C'était l'école, hein? Non, j'ai T'as ça dit? Mais alors, mais même. Bref, du coup, ouais, voilà. Papa, maman, si vous voyez cette vidéo, Sacha, c'est un gros taré, voilà, mais vous savez. Ah, pourquoi tu dis ça? Tu me chantes, hein? Qui est le plus sportif? Oh, c'est moi, hein! Ta gueule! Léa, quand même. Bah, Léa, t'es du sport en ce moment, donc. Ouais, voilà. Ah, oui, c'est vrai, non, mais. Non, mais j'ai rien. Tu l'admets. Alors, qui est le plus calme? Oh, bah, c'est bien, hein. J'ai rien, moi, c'est bien. C'est moi. Toi! Quoi? Non, bon, c'est taré, moi. Moi, je suis taré? Bah, c'est moi la plus calme. Ouais. Genre toi tu peux, des fois tu sais pas, tu pars. Ouais, des fois toi tu me cries, hein, des fois. Toi tu me cries. Oh, mec, j'ai rayé mon téléphone contre la masque. Oh putain, je vais me repartir. Ensuite, qui aime, non, qui se fait le plus gronder? C'est moi. Sacha, t'es sérieux mais, ou quoi? Mais hier je me suis fait de gronder, t'es... Mais moi c'est, non mais... En tout cas c'est pas moi, voilà. Parce que moi je suis parfaite et je Bah c'est un mal à aller à 10 c'est pas C'est moi la plus grosse dé. Non, c'est Emma quand même parce qu'elle range jamais sa chambre et tout. Mais non, mais arrête. C'est pas vrai. C'est toi qui t'es le plus grondée. Oui, grondée, dis grondée. Tu es le plus engueulée. Je sais pas pourquoi c'est quelque chose. Mais arrête. Qui se couche le plus tard? Oh, je sais, c'est moi, Léa. Oui, mais c'est parce que c'est le confinement là. Mais sinon tu te couches pas tard, toi. T'as 21h, tu dors. Moi j'ai un lit, c'est Léa. Moi je pense que c'est moi, ouais. Ah ouais, t'es sûr? Quoi? T'as des trucs à dire? Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Des fois je couche à minuit, là. Oui, ouais, ouais, t'inquiète, minuit. Non, mais genre moi le plus tard, genre des fois quand je me couche avec Mathéo, genre 2-3 heures, tu vois. Ah bah moi aussi. Ah voilà, ouais, donc en fait c'est kiff-kiff. Ah. Qui a le plus mauvais caractère? C'est quoi un caractère? Bah, genre, non, un caractère un peu chiant, genre. Bon, mais Sacha, je suis chiant moi. Ouais, t'es chiant, mais t'as pas non plus un caractère. Le plus chiant, c'est Emma parce qu'elle est tout le temps susceptible. Elle respecte rien, mais arrête de faire ta victime. C'est ma journée. Oui, oui. Vous voyez là. Un truc très facile. Qui est la plus, enfin le plus dépensier? Dépensier. Genre qui dépense le plus d'argent? Oh bah c'est bon, non chacun. Mais Sacha, moi j'avoue, j'ai pas d'argent. Vous avez mis moi? Bah oui, bah oui, t'es le seul à avoir de la Elle est 134 euros, hein, faut pas dire. Non, on a 0 euros. Faut travailler, bébé. Hein. Alors, ensuite, qui passe le plus de temps devant les écrans? Oh, c'est moi, je passe 3-4 heures et 3 heures. En vrai, je sais pas. Hein. Bah ouais, on est kiff-kiff quand même. Mais je pense, Sacha, il passe quand même moins de temps que nous parce que nous, on a le téléphone. Lui, le seul truc qu'il passe, c'est devant sa PS4. Bah, il joue 3 heures, moi, et 4 bah, heures. Pas oui, mais ça, ça. Bah attends, bah, on va regarder direct quel le plus grand temps d'écran, Emma. Non, mais ouais, mais je suis aussi. Mais moi, c'est une horreur. Hein. Ah, mais ouais, mais je suis sur mon iPad et ma télé aussi. Bah, c'est de l'écran quand même. Hein. Bah ouais, mais, oui. Ouais, mais du coup, c'est dans réglage. 6h49. J'ai honte, non c'est pas bien en vrai, faut pas passer autant de temps. Du coup c'est ça. C'est parce que je vous avais dit, elle est accro à son seul là. Comment on fait? Là, attends, attends. Ah tu cries. Attends, temps d'écran. Ton pouce carrément. Temps d'écran. Attends. J'ai peur alors. 6h25 et moi 6h51. Ah, du coup c'est moi. Moi je suis le dernier, hein, je suis trop contente. La semaine dernière j'ai 8h09. Hein. La semaine dernière 8h09, attends comment on voit la semaine dernière? Mais la semaine dernière j'ai pété un câble.
qui de vous trois est le plus sociable? C'est pas moi. C'est quoi sociable? Genre qui a le plus d'amis. Genre qui sait se faire des amis et tout. Moi je dis Emma. Ouais bah Sacha aussi. Léa, j'en ai plein. Ouais. Oui, moi c'est pas les liens sociaux et tout. C'est pas trop ma cas. Qui est le plus serviable? Sert quoi? Ah ouais, sert quoi? Ça veut dire celui qui leur aide le plus papa et maman à la maison quoi. Oh, c'est Léa. Bah voilà, on est d'accord, merci. Et après, c'est bien, Emma t'admet et tout, je suis fière. Alors, qui de vous trois est le plus impulsif? Sert quoi impulsif? Genre en gros, par exemple, quand il va être énervé, il va le dire direct. Sacha? Mais oui, mais il est jamais énervé, Sacha. Tu rigoles ou quoi quand il lâche des gros mots, quand il nous dit ta gueule, t'es chiante, il est hyper dans l'excès. Ouais, j'avoue, ouais, moi je suis il pas va comme vite ça. Dans l'excès quoi. Alors que nous on est là, calm down, bitch, tu vois, genre. Ouais, mais vous êtes chiante en fait. Bah ouais, non, mais toi tu pars direct dans l'excès, faudra arrêter un peu. Ouais. Qui est le plus menteur? Oh, c'est. Je sais pas c'est qui là. En vrai, c'est moi, hein. Ah ouais, ouais, c'est toi. C'est clairement toi. Le plus gros menteur. Déjà hier avec les malabars, voilà. Oh là, c'est toi. Ferme. Qui est le chouchou des parents? Genre le lèche-botte. C'est pas. C'est. C'est moi, Sacha. Papa et la. Mais oui, mais tu fais ça. Arrête de dire ça. Là, tu biperas mon mot de passe, quand même. Moi, je bip à chaque fois ce qu'il dit parce qu'en fait, il dit le mot de passe de mes parents. Et bref, c'est un rapport avec. C'est vrai. C'est un rapport avec Emma et moi, mais vu que Sacha n'existait pas encore, bah son mot de passe est toujours resté. Et donc Sacha fait pas partie du mot de passe. Bref. J'en dis pas plus. Mais du coup, Sacha. Même sur la boîte aux lettres, il est même pas. Il a pas. Arrête. Mais non, mais c'est parce que sur la boîte aux lettres, il était pas encore. Mais avec ta main, tu peux avoir des microbes là pour l'analyser. Le maniaque. La boîte aux lettres, il n'existait pas encore. Du coup, sur la boîte aux lettres, ah oui, il est écrit au stylo. Il est écrit au stylo, il est pas écrit genre en print. Ensuite, putain, vous voyez? L'aspirateur. On peut pas être plus familial, plus convivial là. Voilà, vous entendez ce qu'on entend 24h sur 24. Même la musique. Ma mère qui met de la musique et mon père qui fait de l'aspirateur. Zouk. Attends, je vais fermer la porte. Vas-y. Qui est le plus jaloux, genre dans ses relations en général? Je sais pas moi. C'est Léa. Moi, je dirais moi, non? Bah oui. Jalouse toi. Pourquoi t'as mis Sacha? Sacha, c'est un gros jaloux. Quoi? Jaloux et genre, ouais, quand t'as un truc. Genre par exemple, Emma elle a acheté Red Dead sur la PS4 et Sacha il peut pas y jouer du coup. Donc, mais il pique des crises de jalousie, il est trop jaloux. Il peut pas jouer. Genre j'ai l'impression, genre c'est le garde-corps de la PS. Genre tu fais quoi Emma? Tu fais quoi? Tu qui parle tout le temps de sa vie et n'écoute pas les autres? Oh, mais c'est moi. En vrai, aucun. Pourquoi tu t'es mis? Mais c'est moi. Quelle vie? De quoi tu parles? C'est Léa. Léa, tu parles ta vie, hein. Non. Ouais, mais genre, je l'écoute les autres et ouais, tout. Ouais, voilà, on s'écoute, je veux dire, on n'est pas genre. Il y en a pas un qui c'est la pète, entre guillemets, ou qui moi. Parle que de lui. Oui, qu'on est dans l'excès. Qui est le plus capricieux? Genre, qui fait des caprices pour avoir ce qu'il veut. C'est pas difficile. Mais tu vois comment tu l'admets? Quoi? Bah, c'est toi qui es le plus capricieux. Bah, oui. Léa. Qui chante le mieux? Oh, Léa, t'as 3%, putain! Ouais, chante le mieux, bah grave moi en fait. Non, pas du tout, c'est Léa. Bah ouais, c'est moi. Léa! Même Sacha, il a mis. Ah ouais, je chante bien. Oh. Bah oui. Ah, mais Léa, mais tu chantes trop mal. À chaque fois, je t'entends chanter Billie Eilish, j'ai l'impression qu'il y a un phoque qui se fait égorger quoi. Qui est le plus doué dans ce qu'il fait? Oh bah, c'est. Je sais pas moi. Bah toi, tu fais quoi? En vrai, on est tous doués dans ce qu'on fait. C'est-à-dire Sacha joue à la PS4. Oh, j'avoue, moi je regarde des vidéos de Capitaine Kirk. Vous voyez tous, genre, tous ces youtubeurs gaming et tout, c'est vraiment le YouTube game que je connais pas du tout. De Guillaume et Kim. Bref, donc voilà. Si vous voulez savoir, Emma, elle écrit un livre. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Super. Et je vais mettre le lien dans la barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Du coup, donc elle est très douée dans ce qu'elle fait. Bah, moi aussi, je suis assez. Bah voilà quoi, je me débrouille dans ce que je fais. Attends, répète ce que tu dis. On peut remettre. Oui, je t'ai fait un compliment. Putain, je suis le choc. Le seul de l'année, voilà. Bah, après, Sacha, elle a 8 ans, donc bon, il n'y a pas non plus encore des projets de malade quoi, mais voilà quoi. Bon, moi, je suis un CE2, hein. Voilà, il a un CE2 quoi. Ensuite, une autre question, on prend une dernière. Ouais. Ah, c'est Adeline. Oh, bah, c'est Adeline. Alors, qu'est-ce qu'elle a mis? Qui est le plus flemmard? Oula, bah quoi? Genre, qui a la flemme de tout? Moi, j'ai la flemme de tout, hein, je m'en fous. Hein. J'ai pas envie de faire la vaisselle. Hein. J'ai pas envie de faire la vaisselle. Moi, j'ai mis Emma, clairement, c'est gros, c'est marrant. Alors, ils se sont soumis toute la journée.
Genre il n'y a pas un pied qui sort de son lit, il n'y a aucune activité. Alors confinement tu veux que je fasse quoi? Oui oui oui. J'ai mais... demandé pourquoi. Mais même, pas le droit, même pendant le confinement genre j'arrive pas à rester dans mon lit genre toute la journée moi. Bon c'était grave cool, j'espère que vous avez kiffé, que ça vous a bien diverti. Et comme ça vous avez pu en savoir un peu plus sur moi, mais aussi sur ma mif quoi. Vous avez pu enfin voir ces spécimens face cam. Tu m'as fait trop peur. Et tu vas enfin la batterie elle va s'éteindre, la batterie va s'éteindre. Tu vas enfin s'éteindre. Oui on verra, on verra. Bref, du coup je vous fais des gros bisous. On se retrouve sur Insta en attendant la vidéo de dimanche prochain. Je vous mets le Insta de ma soeur en barre d'infos avec son livre. Comme toi t'as pas encore Instagram mais bref. Je vous fais des gros bisous les gars, on se retrouve dimanche. Au revoir.